Chicago Drakers. G4 Life Music. Yes, sir. C'est un année où tu... Yeah, big up. Ok, voilà, donc voilà, hein. excusez-moi, vous voyez, pour les petits soucis de son tout à l'heure là. Mais bon, vous savez, hein, d'habitude, quand je fais les trucs là, tu vois, non, le réseau est meilleur en banlieue qu'au kilomètre zéro. Donc, dans ce sens, c'est pour ça, je pense que tout à l'heure, on avait un problème de son, quoi. Mais voilà, donc là, c'est bon, comme vous m'entendez. Au fait, je voulais parler à Doumbouya, là, Doumbouya, tu vois. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur, je l'appelais monsieur, c'est même pas un monsieur, Mori, je parle à Mori Doumbouya. Mori Doumbouya, ancien ministre de la Justice, c'est-à-dire celui qui est en train d'assurer l'intérim, là, le temps qu'on installe le nouveau président et qu'on installe le nouveau gouvernement, tu vois, non. Le gars qui assure l'intérim au niveau du ministère de la Justice, là, et garde des sceaux, là. Suite à au communiqué là qui s'est passé hier et les pseudo personnes militaires ou policiers qui sont censés être en train de chercher de Gianni Alpha, moi vous me faites pas peur. Moi vous me faites pas peur, ça ne m'inquiète même pas un peu. Ça ne m'inquiète même pas un peu, vous êtes dans des faux débats. Ouais, vous êtes dans des faux débats, vous êtes dans des faux débats. Et après quand quelqu'un comme ça, quand un ministère se permet de faire des genres de déclarations comme ça, c'est même pas lui, Moriba là, c'est même pas lui qui se fout de nous, c'est Alpha Condé qui se fout de nous, parce que quand tu prends des farfelus, des personnes, c'est-à-dire dépourvues de toute logique et de toute intelligence pour leur confier des postes de responsabilité dans le pays, voilà les conséquences, quand on vous dit de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, voilà les conséquences, ça c'est un farfelu, celui-ci c'est lui qui a fait le communiqué là-bas, si c'est les petits qui sont autour de lui qui ont fait les communiqués là pour mettre sur internet, vous êtes des farfelus, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, association de malfaiteurs, voyous, bandits que vous êtes, moi vous me faites pas peur, ça il faut comprendre ça, il faut le savoir, vous ne me faites pas peur, 6 ans de prison, retrait de la citoyenneté, mais toi tu es qui pour dire que moi tu vas retirer ma citoyenneté, tu es qui toi. Mais le titre foncier du pays là, c'est-à-dire c'est sur le titre foncier du pays, c'est le nom de famille de ton papa qui est là-bas. Hein? C'est ça? C'est ton papa quoi. Le pays là appartient à ton papa. Tu es un farfelu, faux usage de faux. Toi tu peux retirer la citoyenneté de quelqu'un, c'est toi qui lui as donné. C'est toi qui lui as donné pour dire que tu vas retirer la citoyenneté. Et d'ailleurs c'est quoi être citoyen d'un pays? C'est quoi être citoyen d'un pays? Si tu ne sais pas, je vais te l'apprendre. Il ne faut pas croire que c'est juste avoir, c'est-à-dire une carte d'identité ou bien un passeport ou bien même c'est-à-dire une carte d'électeur. C'est pas ça, hein, être citoyen d'un pays. Être citoyen d'un pays, c'est se sentir protégé par les lois de ce pays. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que quand nos parents, là, nos petits frères, nos petites sœurs, quand ils traversent, c'est-à-dire la Méditerranée, là, la Libye, là, ils arrivent en France, ils réussissent à avoir un passeport ou bien au Canada ou bien aux États-Unis, ils sont contents. Ils nous mettent ça sur Internet. Ah, j'ai la nationalité américaine, j'ai la nationalité canadienne, j'ai la nationalité française. Parce qu'ils se sentent protégés par les lois de ces pays-là. Par les lois de ces pays-là, garde des sceaux, toi tu es censé être ministre de la justice. Tu es censé être ministre de la justice, c'est-à-dire l'armée est dans les quartiers, les gens sont séquestrés. Au lieu d'aller parler de ça, toi tu veux retirer, c'est-à-dire citoyenneté des gens. Mais tu es qui? Toi tu es qui? Tu es qui? Mori, Falero. Toi tu es qui? Tu es qui toi pour dire que non? Toi tu es plus guinéen que qui? Tu es plus guinéen que qui? Ton père est plus guinéen que le père de qui? Donc vos trucs là, ça c'est des faux débats. Moi vous m'intimidez pas avec ça, hein. Vous ne m'effrayez même pas avec ça. Vous ne m'effrayez même pas un peu avec ça. Mais comme je dis, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, c'est Alpha Condé et puis l'armée qui est en train de cautionner tout ça là. Parce que sinon, tout ça mis de côté entre Guinéens ici, on se connaît. Dans la rue, yeux dans les yeux, il y a certaines personnes qui n'osent pas parler à d'autres. On se connaît. Sinon on va faire ça trucage mon frère, en mode Jackie Chan et Jean-Claude Van Damme. C'est clair et net. Donc, vos faux débats là, laissez tomber ça. Ça, c'est des diversions. Aux soldats de l'alternance, restez concentrés. Ils bougent ou ils bougent. Toutes les informations qui sont en train de vous balancer à l'heure là sur Internet, c'est juste pour vous distraire. C'est pour que vous passiez le débat à autre chose. Le débat n'est pas là-bas. Le gars là, il n'est personne pour retirer la citoyenneté de quelqu'un. Il n'est personne, il n'a aucun pouvoir pour ça. Il peut faire ça à personne. Voilà. Il peut faire ça à personne. 6 ans d'emprisonnement, tu vas emprisonner qui? Fonike Menge est déjà là-bas. Malik Sans Frontières est déjà là-bas. Souleymane Kondé est déjà là-bas. AOB est déjà là-bas. Si tu sais faire justice, va faire justice pour eux. Tu arrêtes de fatiguer le peuple, mon frère.
va faire justice pour eux. Si tu sais faire justice, il faut faire justice pour le commandant du camp de Kindia qu'on vient d'assassiner là. Va faire justice pour lui. Tu arrêtes de fatiguer. Je vais retirer ta nationalité, ta citoyenneté. Regardez-moi ça. Farfelu comme ça là. Faux usage de faux, mon frère. Vous n'effrayez personne. Vous n'effrayez personne. Donc, mouri. Idjou Sousouma. Tu ne peux rien, mon frère. Tu ne peux rien. Si c'est toi qui as fait ça, tu ne peux rien. Si c'est tes petits qui ont fait ça, il faut les appeler pour dire qu'ils sont en train, c'est-à-dire d'aller dans des faux débats. Ils sont en train d'aller dans des faux débats. Ils ne peuvent distraire personne. Falero, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes... Est-ce que quand vous vous réveillez le matin là, est-ce que c'est l'oxygène que vous respirez? Vous pensez que vous pouvez intimider les gens? C'est des faux débats. Ça, c'est des faux débats. Donc, quand ils sont en train d'essayer de vous faire croire que moi, là, ils peuvent m'intimider ou bien ils peuvent m'effrayer, ils ne peuvent rien. Absolument rien, mon frère. Absolument rien du tout. Comme je vous ai dit, ils peuvent tuer le combattant, ils ne tueront jamais le combat. Ils vont mettre les gens en prison, mais Inch'Allah, la liberté vaincra toujours, mon frère. La liberté vaincra. Ya man, la liberté vaincra. Nelson Mandela a dû faire 27 ans de prison pour libérer l'Afrique du Sud. 27 ans de prison, il a fait pour libérer l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, soyez concentrés et défendez vos droits, défendez vos voix. Le vote que vous avez fait là, il faut le défendre, vaille que vaille. Ils sont en train d'essayer de vous distraire, ça c'est des faux bails ça. Aujourd'hui là, quand ils se lèvent, ils disent non, ils ont levé le siège devant chez Seloudalin là, ça c'est entre eux et Seloudalin. Moi j'en ai rien à foutre de ça, c'est que moi je sais, c'est que j'ai voté contre eux et mon vote a gagné dans les urnes, donc ils vont bouger. Il faut même oublier Seloudalin dans cette affaire là, il faut défendre vos voix. Il faut défendre vos voix et ne vous laissez pas distraire. Quand ils vont se lever là après, là, ils vont essayer de vous faire un coup, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé au Malawi. Là. Genre la Cour constitutionnelle va annuler les résultats. Non, on va repartir vers des élections. On ne repartira vers aucune élection, les gars. Vous avez joué, vous avez perdu. Vous allez lâcher le pouvoir. Vous allez lâcher le pouvoir. Et justement, tous les farfelus que vous voyez là dans le gouvernement, comme les Mouriba là, qui sont en train de vous sortir des communiqués comme ça là, ça c'est pour vous distraire. Parce que ça, c'est des gens qui savent que si ce n'est pas dans un pouvoir comme ça, dans une association de malfaiteurs, dans du faux usage de faux, ils ne représentent rien sur l'échiquier national. Ils ne peuvent pas avoir des postes de responsabilité si ce n'est pas dans ça là, dans la tyrannie là, dans la violence là, dans le mensonge là. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien, ils ont ni le niveau intellectuel, ni le niveau moral pour diriger quelque chose dans le pays là. C'est ça qui est la vérité. Donc restez concentrés et ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Quand ils sont en train de vous dire comme non, ils ont levé le siège devant chez Seloudalin. On s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça, c'est qu'on veut là. Donnez les résultats des urnes. Reconnaissez que vous avez perdu le pouvoir et passez la main. Nous c'est ça on veut. C'est ça on veut. C'est le dernier là. Si vous voulez, vous le prenez, vous l'amenez à la sûreté. Ça, c'est votre problème là-bas. C'est vous que ça regarde. Nous, ce qu'on sait là, on a voté contre vous et on vous a battu dans les urnes. Vous allez bouger. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ça, c'est de la distraction. C'est de la diversion, ça, les gars. Ça, c'est de la diversion. Donc, ne vous laissez pas faire avoir par les faux trous comme ça là. C'est ça. S'il y a une chose que Alpha Condé a réussi en Guinée sur ces deux mandats là, c'est apprendre aux gens à faire la politique. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Il nous a appris à parler politique, à vivre politique, à se réveiller politique, à dormir politique. Et aujourd'hui la politique là, on va retourner contre lui. On va retourner sa politique là contre lui. C'est tout ce qu'il nous a appris à faire, parler de politique. C'est ça. Lui et son association de malfaiteurs. C'est tout ce qu'ils nous ont appris à faire, parler politique. Donc on va parler politique. On va parler politique. Politiquement, on les a battus. On les a battus dans les urnes. Donc, les trucs qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de tester notre endurance. C'est notre endurance qu'ils sont en train de tester. Soldats de l'alternance, c'est notre endurance qu'ils sont en train de tester. Donc, oubliez Seloudalin. S'ils ont levé le siège devant ce Seloudalin là-bas, ça c'est Seloudalin que ça regarde. Moi, je m'en fous de ça. Ça c'est Seloudalin que ça regarde. Voilà, ça c'est Seloudalin que ça regarde. Moi, je m'en fous de ça. C'est quelle malhonnêteté ça. Ils ont levé le siège devant ce chef d'État et puis les militaires sont toujours dans les quartiers. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Guinéens, toi aussi, réfléchis un peu. Faut pas tomber. Je vous dis ça depuis toutes ces dernières vidéos. Je suis en train de vous dire ça. Arrêtez de tomber dans les éléments de langage des fanfarons là. C'est des voyous. Ils sont en train de jouer avec votre intellect. Ne vous laissez pas manipuler par les idiots là. Voilà, quand ils vous font sortir des communautés, c'est faux. Ils mentent. Ils mentent, mon frère. Ils mentent et ils ne peuvent effrayer personne. Personne.
Quand il vous sort des comme je vais retirer ta citoyenneté. Tu es qui toi? Toi tu es qui? Toi tu es plus guinéen que qui? Ton père est plus guinéen que le père de qui dans le pays là? Pour te lever pour dire que toi tu vas retirer la citoyenneté. Ou bien faire renoncer à quelqu'un sa citoyenneté. Le pays là nous appartient tous. Tu ne peux rien contre ça mon frère. Rien, absolument rien. C'est des faux débats. Voilà. Après, quand ils se lèvent, ils essayent de sortir à la télé et puis ils font les intellectuels. Non, la Guinée, c'est un pays à 70% analphabète. Moi, bon, nous, on est un peu allé à l'école. Moi, je suis ministre de ça. Moi, je suis ministre de ça. Et puis, tu blagues les gens. Tu blagues les gens avec ça. Qu'est-ce que tu appelles intellectuel? Qu'est-ce que tu appelles intellectuel? Le monsieur qui a le magasin que tu es en train de détruire, là, ce monsieur-là emploie plus de Guinéens que tu n'en as d'employés dans ton ministère. Et toi, tu le traites de sous-Guinéen. Tu le traites de sous-homme. Tu pars t'en prendre à son business, tu pars t'en prendre à lui physiquement. Ça, tout ça là, tu vois, non? Toi, tu vas te lever, quelqu'un a parlé. Non, on va lui retirer sa citoyenneté, on va le mettre 6 ans en prison. Mon frère, vous n'avez pas une prison assez grande pour enfermer tous les Guinéens. Voilà. C'est ça. Parce que le problème, en fait, c'est que même dans votre dictature et même dans votre association de malfaiteurs là, au fait, même dans ça, vous n'êtes pas intelligent. En Guinée, même des prisons, vous n'avez pas construit. Même des prisons, vous n'avez pas construit. Les gens sont en surnombre à la sûreté là-bas. Sont en surnombre à la sûreté là-bas. Hein? Les AOB, on ne parle même plus d'eux. On les a oubliés. Hein? Les Fonique Mengue sont là-bas. Hein? Les Suleiman Kondé sont là-bas. Les Madik sans frontières sont là-bas. C'est devenu hôtel ou pour nous. Nous, ça nous effraie plus, ça. Voilà. Ça nous effraie plus, ça. Ça nous effraie plus, ça. Donc, ça, c'est des faux débats, ça. C'est des faux débats, mon frère. C'est des faux débats. Au nom de Dieu, Mori. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, Mori. Politique mis de côté. Tout ça l'a mis de côté. Moi, tu peux rien contre moi. Rien, absolument rien. Rien, absolument rien. Que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement. Absolument rien du tout, tu ne peux contre moi. Voilà, c'est ça. On est en train de tuer les enfants dans les quartiers. Au lieu de parler de ça, c'est toi qui vas te lever pour dire non, tu vas retirer la citoyenneté des gens. Des bébés de 3 ans sont en train de mourir par balle. Tu sais faire la justice? Va faire la justice pour eux. Tu sais parler de justice? Tu sais parler de droit? Va parler de ça. Hein? Alpha Condé qui modifie la constitution, qui veut s'imposer par la force aux Guinéens. Tu veux parler de justice? Va parler de ça. Tu te lèves, c'est Madik sans frontières, tu arrêtes. Et puis tu te crois fort. Tu te crois fort, pourquoi? Tu te crois fort. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, vous avez banalisé, c'est-à-dire l'institution même qui est l'État. L'institution même qui est l'État, ce qui est censé être, c'est-à-dire ce qui représente même l'État, vous avez banalisé ça dans le pays là. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous avez banalisé la fonction. Vous avez banalisé la fonction. Et vous pensez que vous pouvez blaguer les gens avec ça. Mon frère, vos débats là, il faut chercher avec qui tenir ça. Et vous cherchez les noms, à qui associer ça. Moi, vous ne me rentrez pas dans vos conneries là. Hein. Voilà, vous ne me rentrez pas dans vos bêtises là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. N'en fous les Moutana. N'en fous les Moutana. Voilà. Mimiyani maka, hane miyani maka django. Kosel dane ye maka, kango ni ala djien. Ça, c'est lui là-bas. Il y a les peuples là-bas. Là. Les peuples là, eux, ils sont là-bas. N'en fous les Moutana. Voilà. N'en fous les Moutana. Donc, wana yo mayaz. Amou non manière de n'en pari. Amou non ma. Vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Faux usage de faux là. Vous allez laisser tomber ça. Voilà. Vous allez laisser tomber ça. Voilà. Si tu sais parler de justice là, il faut aller faire la justice pour A ou B. Si tu sais parler de justice là, il faut aller faire la justice pour Fonique Mengue, il faut aller faire la justice pour Souleymane Kondé, pour Madik sans frontières. Voilà. Et tu n'es rien, mais absolument rien du tout pour moi parler de ma citoyenneté. Et la prochaine fois que moi je vais t'entendre encore parler de ma citoyenneté, il faut savoir que dès que le pays va être stable, je vais porter plainte contre toi et je vais t'enfermer dans le pays là. C'est ça. Si vous, vous avez cru qu'il n'y a pas la loi en Guinée, nous, on va vous montrer qu'il y a la loi en Guinée. Si vous, vous ne connaissez pas la loi, vous ne connaissez pas le droit, nous, on va vous faire connaître le droit. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et toutes les personnes qui sont en train de faire les exactions là et tout ça là, il ne faut pas croire que vous n'êtes pas vu. Hein. Il ne faut pas croire que vous n'êtes pas vu. Vous êtes vu, vous êtes vu. Aujourd'hui, vous avez... Est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Google Maps. Bon, comme vous ne connaissez même pas c'est quoi cloud, c'est pas Google Maps, vous allez connaître quoi. Sinon, aujourd'hui là, toutes les personnes, que tu sois militaire, que tu sois civil, qui rentrent dans les quartiers pour faire les exactions sur les gens, le jour de la justice là, c'est proche, c'est là, 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 les images là, on va les zoomer, on va sortir ton visage et tu vas répondre de tes actes.
Parce que vous n'êtes même pas intelligent. Vous n'êtes même pas intelligent. Le gars même pour qui vous êtes en train de faire ça, lui-même, il parle pas, il dit rien. Hein? Le ministre de la Justice, pour qui vous êtes en train de faire ça, comment s'appelle, le Premier ministre, vous avez vu son communiqué? Les personnes seront poursuivies, seront arrêtées. Eux, ils sont déjà en train de se laver. Eux, ils sont déjà en train de se laver. Pardon, quand le ministre de la Sécurité sort pour vous annoncer des trucs, comment s'appelle, sur Facebook, sur Internet, sur les télévisions, pour dire qu'il n'y a aucun militaire qui rentre dans les quartiers avec des armes à feu, il est en train de se laver. Ça veut dire que toutes les personnes que nous, là, quand on va zoomer les images, là, qui vont devoir répondre devant la justice, et ils diront que ce n'est pas des militaires, ce n'est pas des policiers. Donc vous allez être jugé comme des simples bandits. Comme des simples bandits que vous êtes. Maintenant, que tu sois homme de tenue ou que tu sois civil, tu vas répondre de tes actes, mon frère. C'est ça qui est la vérité. Donc vos conneries là, faut arrêter ça. Si vous croyez que vous pouvez intimider les gens, cherchez les personnes là. Nafoule Muntana. Voilà, Nafoule Muntana. Je ne m'appelle pas Sellou Dalein aujourd'hui, je ne m'appelle pas Sellou Dalein demain. C'est lui qui est dans la construction, c'est lui qui est dans la concession. C'est lui qui aspire à diriger une nation. Voilà, moi, ce à quoi j'aspire là, c'est faire valoir mes droits. C'est ça. C'est ça. Et personne, moi, ne peut me boycotter dans mon droit. Personne. Personne. Personne, je ne vais pas aller au stade pour parler comme ça ou aller dans un autre pays pour parler comme ça. Mais le pays de mon père, de ma mère, le pays où moi je suis né, le pays qui m'a fait, quelqu'un va me montrer que lui il est plus citoyen de ce pays-là que moi, il est fou, on a chié dans sa tête. Donc arrêtez vos conneries là quoi, arrêtez vos conneries là et vos histoires de distraction là quand vous essayez de ramener le débat ethnique là et tout. Moi je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, moi je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Dans le gouvernement de Alpha Condé, là, il y a des peuls là-bas. Les peuls là, je les traite exactement comme je traite Alpha Condé. Voilà. Les Mouktar Diallo, il ne vaut pas mieux que Damantan. Ou tous les autres. Les général Baldé, ils ne valent pas. Ils se valent. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc moi, je n'ai pas le temps de ça, frère. Je n'ai même pas un peu le temps de ça. Ce que je sais seulement là, c'est que le peuple de Guinée a voté pour l'alternance. Et le peuple de Guinée a gagné son droit à l'alternance dans les urnes. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la diversion et de la distraction. Les gars, restez concentrés. Restez concentrés. Les gars là, ils ne savent rien faire d'autre que de la politique. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de la politique. Et leur politique là, c'est une politique mensongère. C'est une politique de division. C'est une politique injuste, une politique de la barbarie, une politique de la tyrannie. Une politique d'ethno... C'est-à-dire d'ethno... Ne vous laissez pas distraire, les gars. Soyez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Voilà. C'est ça, quoi. C'est ça. Et l'autre truc aussi, là. J'ai vu des gens qui sont en train de... Je ne sais pas qui est à la base de ça. Fulani Challenge, là. Arrêtez vos trucs, là. Arrêtez vos trucs, là. Quoi, Fulani Challenge? Ça veut dire quoi, Fulani Challenge? Ça veut dire quoi? C'est comme tu vois les noirs là qui portent les t-shirts noirs et fiers. Ça veut dire quoi? Tu as déjà vu un blanc porter un t-shirt blanc et fier? Il sait qu'il est blanc. Il n'a pas besoin de convaincre quelqu'un pour ça. Tu es peul, tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un pour ça. Tu n'as pas à supplier l'amour de quelqu'un. Tu n'as pas à supplier l'amour de quelqu'un. Tu es malinqué, tu n'as pas à supplier l'amour de quelqu'un. Ça, c'est un faux débat, ça. Ça, c'est un faux débat, ça. C'est des faux débats, ça. Laissez ça. Ça, c'est de la diversion. Est-ce que tu es un homme bien? C'est ça qui est la vérité. C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Voilà. Est-ce que tu es une femme bien? C'est ça qui est la vérité. Après, tu es peul, tu es malinqué. C'est ton problème. On s'en fout de ça. 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 Moi, je suis peul. Je n'ai pas besoin d'aller le crier partout. Je suis peul. Je suis peul. Je vais convaincre qui avec ça? Je vais convaincre qui avec ça? Je vais supplier qui de m'aimer pour ça? Ou de me détester, c'est-à-dire pour ça? Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Ça, c'est le débat des gens qui n'ont pas d'argument. Ça, c'est le débat des gens qui n'ont pas d'argument. Ne vous laissez pas distraire. La vérité, c'est que le peuple de Guinée a voté contre Alpha Condé dans les urnes. Le peuple de Guinée a gagné son droit à l'alternance dans les urnes. Qu'il rende le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Tout ce qui est derrière ça, là, après, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Ils ont levé le siège devant Sellou Dalein. Ils ont levé le siège devant Sellou Dalein. Et après. Et après. Moi, ça, où ça m'a trouvé, c'est exactement là-bas que ça me laisse. Dites-moi qu'ils ont retiré les militaires des quartiers. Voilà, ça va me faire plaisir.
Ça va me faire plaisir. Mais ils ont levé le siège devant Cécile Oudane. Mais j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre. Ce que je sais, c'est que j'ai voté pour l'alternance. Et je me battrai, c'est-à-dire corps et âme, jusqu'à mon dernier souffle, pour faire valoir mon droit. C'est ça. C'est ça. Vous n'allez pas voler mon... C'est-à-dire ma voix, là, moi, vous n'allez pas la voler. Et puis je vais me taire sur ça. Non, je ne suis pas ce Guinéen-là. Moi, je ne suis pas ce Guinéen-là. Je ne suis pas ce Guinéen-là. Le Guinéen-là, allez le chercher ailleurs. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, quoi. Donc, ne vous laissez pas distraire, les gars. Remotivez-vous encore plus que jamais. Et défendez vos droits. Peuple de Guinée, défends ton droit. Défends ton droit. Défends-le par tous les moyens. Défends-le physiquement. Peuple de Guinée, défends-le intellectuellement. Défends-le moralement. Défends-le par tous les moyens nécessaires. Any means necessary. Si c'est ça qu'ils appellent appel à la haine, j'ai bien fait. Voilà. Le peuple de Guinée, lève-toi et défends ton droit. Défends-toi. Défends-toi. Et je réitère encore. La première personne qui peut t'assister quand tu es en danger, c'est toi-même. Si tu te sens agressé par quelqu'un, défends-toi. Défends-toi. N'agresse personne. Mais si tu te sens agressé, défends-toi. Voilà, défends-toi. Et dans les quartiers, organisez-vous. Si vous sentez qu'ils viennent dans les quartiers pour vous violenter, si vous sentez qu'ils viennent dans les quartiers pour, c'est-à-dire, commettre des exactions, défendez-vous. Défendez-vous par tous les moyens nécessaires. Ils ne sont pas plus guinéens que vous. Ils ne sont pas plus guinéens que vous. Et eux, ils ne vont pas, c'est-à-dire, décider de boycotter, c'est-à-dire, vos droits et de marcher, c'est-à-dire, sur vos principes, sur vos valeurs, et vous allez vous asseoir, vous les regarder. Si vous faites ça, c'est que vous êtes indigne. Indigne. Et cela, peu importe l'ethnie. Peu importe l'ethnie. Si tu n'es pas capable de défendre ton droit, tu n'es pas capable de te défendre toi-même, de défendre ta femme, tes enfants, de défendre ton avenir, de défendre ton lendemain, tu es indigne d'être un homme. Peu importe ton ethnie. Voilà. Voilà. Donc, Moriba et puis ces enfants-là qui s'amusent avec leur intox-là, ne vous laissez pas distraire par ça. Moi, ils ne m'intimident pas. Ils ne m'intimident pas. Leur connerie là, moi là, moi, Gianni Alpha là, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Je vais me défendre, je vais défendre mon droit by any means necessary. Par tous les moyens nécessaires. Par tous les moyens nécessaires. Voilà, c'est ça. Donc, bifocus, restez concentrés. Et encore une fois, je vous dis, ils ont levé le siège devant ces Seloudalens là. C'est Seloudalens que ça regarde. C'est eux qui savent là-bas. Ça, c'est eux qui discutent politique là-bas. Moi, ce que je vous dis seulement, peuple de Guinée, défends ton droit. Tu as voté pour obtenir une alternance. Tu as gagné ton alternance. Prends ton alternance. C'est ça. Prends ton alternance. Prends ton alternance. Voilà. Les gens qui pensent que nous, on est en train de faire ça pour Seloudalens ou je ne sais pas quoi, quoi. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Seloudalens, ce n'est que le visage. Seloudalens, ce n'est que le visage. Ce n'est pas lui, l'alternance. Ce n'est que le visage. Et ça, là, vous allez le comprendre. Voilà. Parce qu'en Guinée, ici, là, on va apprendre à se respecter. On va apprendre à se respecter. Voilà. Plus personne ne va se laisser faire ici, là, mon frère. La bêtise ne marchera plus dans le pays, là. Les cancres ne vont plus nous gérer ici. Les voyous ne vont plus nous gérer ici. L'injustice ne marchera plus ici. Ça ne passera plus. Ça ne passera plus. C'est ça qui est la vérité. Et après, le dernier point aussi. L'autre classe de Guinéens, là, les gros hypocrites, là. Les gros, gros hypocrites, là. Qui sont sur internet là, genre Fok Alpha Condé, Fok Seloudalens. Vous n'êtes même pas intelligent. Est-ce que vous vous réalisez quand vous faites ça? Est-ce que vous vous réalisez? Est-ce que vous vous auto-analysez au fait quand vous faites ça? Il y a une phrase plus simple. Au lieu de dire Fok Alpha Condé, Fok Seloudalens, il y a une phrase plus simple. Dis Fok la Guinée, c'est mieux. On te comprend. On te comprend. Mais Fok Alpha Condé, Fok Seloudalens, tu mens, tu mens. Tu mens, il y a quelque chose que tu penses mais que tu n'oses pas dire. Tu penses quelque chose, tu crois en quelque chose mais tu n'oses pas le dire. Donc tu es lâche. Tu es lâche. C'est ça qui est la vérité. Après ça, là, que tu sois une personnalité publique, que tu sois un Guinéen lambda, c'est-à-dire peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es en train d'évoluer, si tu ne peux pas exprimer ouvertement ton opinion, tu es lâche. Tu es lâche. C'est ça. Tu es lâche. Toi, ta nationalité, c'est lâche. Sur ton passeport, nationalité, là, on devrait mettre lâcheté. C'est ça. C'est ça. Tu ne peux pas. Fok Alpha, Fok Selou. C'est quoi les conneries là? Dis Fok Selou. Qui va te juger pour ça? C'est ton droit. Dis Fok Alpha, c'est ton droit. Mais Fok Alpha, Fok Selou, tu mens. Tu es un hypocrite.
Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Voilà. Et quand aujourd'hui la Guinée est dans la situation dans laquelle elle est là, tout le monde sait d'où tout ça c'est venu. Tout ça c'est parti de quoi? Qu'est-ce qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes là? Nous sommes là. Donc quand tu te lèves là-bas pour parler de paix, pour parler de si, nanani, nanana, dans une situation d'oppression, ne pas prendre position, c'est prendre position pour l'oppresseur. Voilà, ça c'est pas Gianni Alpha qui a dit ça. C'est des gens beaucoup, 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 beaucoup plus intelligents que Gianni Alpha qui ont dit ça longtemps avant que peut-être même que Gianni Alpha ne vienne au monde. Dans une situation d'oppression, quand tu dis que tu es neutre là, tu n'es pas neutre, tu prends parti pour l'oppresseur. C'est ça, ça s'appelle le silence coupable. C'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la vérité. Et quand certains pseudo-intellectuels là vont se lever, c'est-à-dire pour essayer de nous tenir des faux débats. Eh Allah, eh mon pays. Ah mon pays. Les Mouriba et compagnie là, c'est eux qui vont se lever pour... Eh mon pays, si c'est pas dans cette situation là, les gens là et toi vous pouvez pas débattre. Ils ont pas le niveau. Et c'est les gens là qui dirigent le pays. Ils ont pas le niveau. C'est comme quand je vois mon ami Domani Doré s'attaquer à Thierno Mounenembo. Mon ami quoi, Domani Doré. Domani Doré, c'est peut-être toi et moi, on est au même niveau intellectuel, tu vois. C'est peut-être nous, on peut débattre. Mais Thierno Mounenembo, c'est comme si vous demandez, c'est-à-dire, je sais pas, à Ampa Déba, de faire un débat contradictoire avec Makanera. Est-ce que vous êtes sérieux en Guinée? Est-ce que vous êtes sérieux? C'est comme si tu prends tout de suite Ousmane Kaba et puis Gianni Alpha, tu leur dis, faites un débat sur l'économie. On va voir qui a le niveau. En Guinée, on est capable de ça, quoi. On est capable de ça en Guinée. Non. Wake up. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui là, hey, on n'a même pas le temps de pleurer nos morts, les gars. On n'a pas le temps de pleurer nos morts. On n'a même pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Parce que toutes ces personnes qui sont mortes là, c'est-à-dire elles ne reposeront en paix que le jour où nous autres qui sommes restés en vie là obtiendrons ce pourquoi elles sont mortes. Donc on n'a même pas le temps de les pleurer. On va les pleurer après quand justice sera faite pour eux. Pour le moment là, restez concentrés. Restez concentrés. Arrêtez de vous laisser divertir par les, c'est-à-dire les marouillas là. C'est-à-dire les idiots là.